Salut tout le monde, c'est Fluonéon et Mentalis, salut à toi. Yo, bonjour tout le monde, c'est Mentalis pour un premier épisode sur PokéMMO en compagnie de mon cher collègue ami Ameur adoré. Fluonéon. J'ai dit avant toi, bon. Moi. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur un magnifique jeu unique, complètement épique, que je parie qu'il va y avoir de... On va se marrer dessus. PokéMMO, oh yeah. Bon, tu me dis quand je peux créer mon perso, hein. Ah bah écoute, vas-y, hein, tu peux y aller, hein. Je bon. Joue son jeu. Tac. Ah zut, character name already exist. Ah bah oui, bah normal. Donc alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas PokéMMO, alors PokéMMO, en fait, bah je vous invite à aller voir tout simplement ma vidéo de présentation, comme ça j'aurais pas besoin à vous expliquer, voilà, c'est un Pokémon, mais un multijoueur, comme un MMO RPG, en fait. Donc c'est normal si vous entendez pas la musique du jeu pour ceux qui ont le jeu, parce qu'en fait j'ai un bug moi chez moi où j'ai vraiment pas le son et la musique du jeu, donc c'est vraiment chiant. D'ailleurs, et puisque j'ai tu l'as? Bah non en fait. Ah toi non plus, bah comme ça au moins on sera quitte. Écoute, je t'entends. Alors je suis en... Hop. On se met en quel channel? Channel 3 c'est espèce d'idiot français. Espèce d'idiot, retourne-toi. Bah, quel idiot, mais il s'est barré. On était sur le même channel. Non, attends, retourne sur channel 3, c'est channel des français. C'est mieux. Je sens rien. Voilà. Allez, putain. Je voyais une grosse fille là derrière, je lui disais, non, ça peut pas être Mentalis. Et si ta gueule. C'est une fille. Bon, j'arrête. Bonne main, petit développeur. Qu'est-ce que ça? Player name. Friendly. Ah oui, non, merde, ah oui, c'est vrai que si je le gourde de bouton, ça va pas le faire. Oui, donc le jeu est en... Bah, est en anglais, les amis. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a installé un patch avec le nom des attaques et le nom des Pokémon traduit en français pour vous, messieurs qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Oui. Qui ne connaissent pas. Oui, qui ne connaissent pas, oui, c'est un peu pareil. Il y a un gars qui s'appelle Coucou, c'est moi. Alors, donc, là, exactement comme dans Rouge, Feu et Airfeuille, d'ailleurs. Comme dans Rouge, Bleu et Jaune aussi. On s'interpelle par le professeur Shen qui va nous donner notre premier Pokémon. Blablabla. Là, il nous a... Oh, moi je passe le dialogue. Il m'emmène dans un endroit spécial, j'ai peur. J'ai peur, je suis avec un toi, vieux. Tu vas prendre quel starter toi? Toi tu vas prendre quoi? Carapuce. Ah, quel sous caca. Plus bizarre, je parie. Je m'en fiche, j'ai pas le starter qui fait la force. Allez. Car je suis Fluonéon, l'espoir fait vivre. Allez hop, alors. Je prends Carapuce, moi. Voilà. Oui, The Fluonéon prend Carapuce. Oh yes, ce Pokémon est très énergétique. Mais. Bon, enfin, pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Voilà, donc voilà mon rival, que j'ai appelé donc Manta, troll, a pris donc Bulbasaur, comme dans les jeux originaux. Ah, attends, par contre. Le rival prend toujours le starter avantagé contre vous. C'est un gros connard. Tac. Et bah écoute, moi je t'attends. Ouais, désolé, excuse-moi, j'avais. Voilà, désolé, je m'étais gouré dans les réglages des boutons de X-Spider. D'accord. Allez, excusez-moi. Ouais, écoute, moi, j'avais vu mon combat contre mon rival. Moi je veux pas, mais bon, visiblement j'ai pas le choix. Il veut absolument me montrer son carapuce. Ouais, absolument nous défoncer la gueule déjà dès le début. Ouais. Alors qu'on a juste d'avoir notre Pokémon. C'est un vilain. Voilà, les coups de Pokémon c'est pareil. Hop. Du coup, là on spam l'attaque charge comme des gros bourrins. Oh, moi je spam griffe. T'as pris ça la mèche? Oui. Intéressant. Bah je vais te laisser une chance de gagner quand même. Enfoiré. Mais quoi, c'est pas de ma faute si tu es faible. Attention, il lance charge. C'est ce qu'on verra. Oh non, mais j'ai pas envie de t'humilier. C'est ce qu'on verra. Tu pourras troller après quand j'aurai perdu. Ou plutôt quand tu attends. Auras perdu. En plus, c'est vrai que le combat contre le rival c'est toujours le plus dur parce que aïe, je crois qu'il va me battre là. Il me reste 5 PV. Il me faut deux attaques pour le battre, je crois qu'il m'a tué. Ah non, il est mort. Wouhou. Attends, moi c'est chaud là. Là, il est en train de baisser mon attaque avec rougissement. Allez, 3 PV. Dégage, Bulbasaur de merde.
Allez. Allez, Carapuce, peu de courage. Oui. Allez. Niveau 6. Joli. Tac. Allez. Bon, tu dépêches de gagner là, espèce de nouille. Oh, de nouille, oh, ta gueule, toi, le mentaliste. Moi, je suis lisse. Le mentaliste ouais. Sauvage. Oui, qui est lisse et qui viole des mentalistes le soir. Enfoiré, c'est vrai. Croyez pas ce qu'il dit. Hein. Alors, attends, par contre. Donc, moi, je cours avec les chaussures de sport. Oh, yeah. Mais ça, on devrait pas déjà les avoir. Narmol. Alors, d'ailleurs, oula, je me suis déjà fait. Attends, tu m'as déjà défié. Putain, tu rigoles. Non, je te défie pas. J'ai juste rajouté un ami. Ah, d'accord. Du coup, tu m'avais défié, j'ai eu peur. Non, mais non, pas la peine. Oui, en effet. Tac. C'est bon. Donc là, vous pouvez voir l'interface des amis, la carte de dresseur, la liste d'amis, voilà, avec mon Google d'amis. Non, je déconne. Chut, lui dis que je suis en train d'avancer déjà vers Jadiel. C'est pas grave, bah vas-y, prends l'avance. Je te rattraperai, je te rattraperai. Ah, tu rêves. Voilà, hop. Et donc je vous ai présenté un peu le menu. Sinon, si vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez avoir une, plus d'explications sur le jeu, vous allez voir ma vidéo présentation qui sera dans le lien dans la description de la vidéo. Tac. Je vous mettrai un lien pour y accéder et je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Et le rythme d'apparition des vidéos, ce sera à peu près combien par semaine? En fait, faudrait peut-être leur dire. Oula, l'information, alors ça, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, toi, c'est en fonction de toi, parce que moi, je pourrais faire largement une vidéo par jour, mais toi... Ouais... Bah, écoutez, je ne sais rien, j'en sais rien. Je dirais peut-être ça dans les deuxième épisodes, j'y réfléchirai. Le deuxième épisode, c'est pas celui qu'on va tourner à la suite, là? Tu veux qu'on tourne à la suite? Ah bah moi, écoute, comme tu veux, hein, comme tu veux. T'inquiète, donc là, si je prends une potion... Alors toi, est-ce que t'as déjà une idée de ta team? Oui. Pas moi. J'ai mentali. D'ailleurs, les amis... Oui, un mentali, ça tu m'en as parlé sur Skype, t'as pas tellement parlé. Alors, donc, on sait. Vous qui regardez la vidéo sur ma chaîne, et je parle de ceux qui sont sur ma chaîne, ceux qui sont sur la chaîne de Néon, bah allez vous choper des nez. Foiré, t'es pas gentil. Si vous voulez voir votre nom dans ce let's play, n'hésitez pas à le dire maintenant, parce que, enfin maintenant, dès que cet épisode passera, parce que bah, sinon, bah voilà, le renommeur là, il est à l'avant-ville, c'est ça? Ouais, l'avant-ville, exact. Donc vous allez devoir attendre longtemps si vous dépêchez pas là. Voilà. Ah oui, donc faut aller où est-ce que t'es toi en fait? Moi je suis dans les herbes en train d'XP, mon carapuce. Bah. Yes, okay. Carapuce ça prend écume. Mon petit peu pas. J'arrive à Jadiel. Ah bah voilà, en fait, t'as fallu du temps. Oh ta gueule. Allez, moi je vais vous. Au centre Pokémon. Je vais le défier. Non, je rigole. Je ne serais pas assez fou pour le faire. Bon, moi je vais les battre, hein. Je peux tout battre. Je peux tout battre avec Mentalis. Yep. Dernière fois qu'on vérifie le truc. Oui. Mais... C'est pour plus tard. Enfin, on fera ça en vidéo en fait pour vérifier un truc. D'accord. Parce que la ligne, comme tu le sais, j'ai déjà. En fait, la ligne que je voudrais, c'est pas les Pokémon en fait, mais sur une autre partie. Donc, voir éventuellement si je pourrais les transférer quand on est au niveau. Ouais, d'accord. Et comme ça, ça évitera. Alors, moi, écoute, je vais aller XP un petit peu mon carapuce sur la route pour la Ligue Indigo. D'accord. Bah, vas-y. C'est au plaisir. Il y a le rival ici, donc je vais pouvoir plein d'XP. Alors, je rappelle qu'il y a moi, de mon côté, pour ceux qui regardent mon point de vue, je ne pense pas attraper de Pokémon pour l'instant pour cet épisode. Je verrai ça dans l'épisode 2 vu que j'ai pas encore fait ma team. Hop. Un Rattata voilà. Niveau 4. Alors aussi Pokémon pourra faire des clans parce que depuis la vidéo que j'ai faite, la vidéo présentation du jeu où je présente un peu le jeu et tout ça, il y a une mise à jour ce qui rajoute des clans, un mode spectateur lors des duels et tout ça. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. D'ailleurs, pour créer un clan, c'est assez dur parce qu'il faut 15 000 Poké Dollars quand même. Moi je dis Poké Dollars, moi. C'est que 15 000. 15 000, ouais. Bah, surtout qu'il n'y a pas la vente encore dans ce genre. Ça ah merde, oh, c'est ça. Par contre, oui, j'ai oublié. Ouais,
Exact, parce que sinon tu trouves des morceaux étoiles, de la poudre étoile, sinon tu te fais du fric quoi. Ah, je viens de me faire skyper. Ah, Les tu me aléas du direct, comme on fais. dit. Ouais. Tu m'avais. Bon, ça y est, moi je viens de recevoir mon Pokédex, donc vous savez ce que ça veut dire, les amis, hein. On va bientôt pouvoir commencer à Bah, capturer un peu tu tout et l'as n'importe déjà quoi. le Pokédex Bah ouais. dans ce Pokémémo, ouais. Ah oui, alors d'ailleurs les amis, si vous voyez que en haut à gauche de mon écran, vous voyez le cherche VS et la bicyclette, ne faites pas attention, c'est un bug. Ah bon? Oui, parce qu'en fait c'était avec les autres persos en fait. J'avais déjà la bicyclette hein, et le cherche VS hein, et c'est un bug qui, bah, qui est quand même ajouté là, la bicyclette cherche VS. Là, il est resté, si tu préfères. Évitez tous les Pokémon, évitez tous les Pokémon, évitez tous les Pokémon, évitez Je me tous les suis dit, je peux Pokémon. l'utiliser, tiens. C'est tellement beau. À mon avis, je pense que non. Alors? Essaye? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Non, 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 papa. Bah Je je. confirme. Ce serait rigolo, Ouais, ce serait rigolo, en effet. hein. Alors, je vais Je voir transférerais la s'il Master y a Ball, une ce serait rigolo. potion également. Voilà. Non, j'ai l'impression que, ouais, il y a beaucoup de trucs hein, qui ont été ajoutés. Hein. Par exemple, tiens, d'ailleurs, là, le PP qui est assis là, sur la route, là, celui qui nous donnait dans la version rouge feu et vert feuille, la petite télé, là, pour donner des conseils au début du jeu pour savoir comment jouer, il était pas là dans l'autre mise à jour. Je pense que c'était un ajout, la mise J'ai à jour. pris Flamèche. Bien joué. Bon, personnellement, pour mon cas, mon carapuce est niveau 8. Joli. Ben moi, je suis que level 7. D'accord. Mais bien tranquille, Donc je moi. pense pour cet épisode on va s'arrêter devant la forêt de Jade. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon on va enchaîner juste après sur l'épisode 2. Bah moi, j'attends. Ouais, ben, j'attends déjà que vous connaissez ça. Oui bien sûr. Voilà, pour des années, on a dit. Enfin tu devrais plutôt dire tes Pokéball parce que Pokédex tu l'as déjà dans ce Pokémémo dès le début. Alors, Pokéball. J'ai combien? 5 normalement. Oh putain, on a Ferro-Singe niveau 5, c'est épique. Ah oui, d'accord, on commence avec 80 Pokémon dans ce jeu. Ouais. C'est vrai qu'on commence avec nettement plus. Alors, Attends, je vais voir moi aussi. Ouais, 80, juste 80. Non, je crois que dans la première génération, tu commençais toujours avec 0 Poké de linge, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. non, tu commences toujours Non, avec toujours au à moins 1000. 3000. Ah bon? Je savais pas. 3000, oui, peut-être. Enfin, je sais pas, tu commences toujours avec 1000 sommes, comme Oh, c'est but. pas grave. J'ai juste 3000 Pokédolls. Ça permet C'est d'acheter des hyper balles, vite. quoi. Ouais. Ça part Bon, peut-être t'inquiète, vite, contre les mais on sait testeurs, que. je prends du fric de toute façon. Plein de fric, j'adore le fric. Je serai riche. Je le serai le plus riche des dresseurs. Vous ruinerez sans répit. Je vous ferai chier, moi et mes Pokémon, tout au long de votre vie. Incroyablement chiant. Ah mon dieu. Alors, pour Bon, moi aussi, information, écoute, je vais j'ai. aller chercher les 5 Pokéballs. Pour information, les amis, j'ai des objectifs, hein, quand même. Faut pas croire que je vais faire ce jeu juste pour avec Léon. Ah Non, non. oui. J'ai quelques objectifs. Moi aussi, Pour pour ma part. pourrir l'aventure de Fluneon, hein, ça c'est Oui, moi sûr. aussi, la salle de Monta aussi. J'essaie bien le tuer. Je vais Bonne le chance. poutrer, j'en suis sûr. Alors, j'ai une question par contre. Sur le jeu, est-ce qu'on trouvait des Pikachu dans la forêt de Jade? Oui, on peut trouver des Pikachu. Bon, bah, est-ce qu'on a le droit de s'entraîner Oui, hors bah, bien vidéo? sûr qu'on a le droit, sinon ce serait vraiment très chiant pour les gens, je pense. Donc, voilà quoi. Bon, je pense pas que vous aimeriez nous voir XP nos Pokémon comme des tarés pendant des heures. Ouais, C'est vraiment surtout dans très mon cas, parce ennuyeux. que moi, c'est un truc que j'adore faire. Non, moi, pas du tout. Je trouve ça très chiant. Voilà, et Donc là, vous voilà, voyez moi que je vais j'ai une profiter de la Pokéball pour mienne. attraper notre premier Pokémon. Oh mince, quel idiot, j'ai oublié de prendre le colis. Ah mince. Et attends, tu viens de retourner Oui. à. Fail. Je sens que ce premier épisode va durer un sacré bon bout de temps, les amis. Oh, peut-être 25 à 35 minutes. Ouais, je sais pas. Est-ce que t'as lancé un chrono là? Oui. Je Ah te bon? préviendrai. Je te préviendrai. Les amis, ça fait bizarre d'avoir quelqu'un qui pense à lancer le chrono. Ah, tu vois quand même, je suis utile, hein. C'est vrai, Monsieur. c'est. Pour une fois. Pardon. Allez. Ah. Qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir besoin de payer pour soigner nos Pokémon? Ouais, pas comme dans Pokémon. Bon, ça va. Heureusement, quand t'es en mode facile, t'as pas à payer. C'est vrai.
Heureusement. Peut-être que le multi-exp fonctionne sur cette version aussi, ça pourrait être intéressant. Ah, peut-être. Oui, je crois que le multi XP marche. Parce que je dis multi XP. Oui, d'accord, multi-XP. Pourquoi pas, hein. Alors, qu'est-ce que nous on a... Ah oui, Je alors, place la parfait, j'affronte un prononciation. ratata. J'aime affronter des ratatas sauvages. Toi, tu vas capturer un Pokémon durant cet épisode. Ah ben c'est déjà fait. Ah, t'as déjà attrapé un Pokémon, c'est lequel? Ah ça, tu le verras quand on se défiera à la fin de la vidéo, hein. Parce que moi par contre, D'accord. je veux qu'on se défie à la fin de chaque vidéo, En hein. chaque vidéo, d'accord. No problème. Ça me va. Juste pour vérifier nos niveaux. Alors vous inquiétez pas si au début du prochain épisode j'ai des Pokémon level 30, c'est que j'aurai farmé comme un fou pour être sûr de pouvoir le battre, hein. C'est ce qu'on verra. Parce qu'avoir un Pokémon, c'est bien. Mais si face à une invasion de petits Pokémon qui a ça, tu peux rien faire. C'est tout. He used it griffe. He used it charge. But himicide. Charge, c'est vraiment une attaque de merde. Comment on fait pour avoir des Pokémon qui nous suivent comme ça? Alors tu prends ton Pokémon dans ta liste à droite donc et tu le mets sur ton écran. Non, je vais oublier de le faire, tu vois. Ah bah écoute, Merci de je m'y vais avoir faire. fait penser. Je sens que je vais être poursuivi par un salamèche. Et moi par un carapuce. Il est tout mignon, petit carapuce qui me suit. C'est vraiment sympa, je trouve, de voir les Pokémon qui sont derrière les autres. On peut voir un peu leur Pokémon. Oh, je suis poursuivi par un salamèche, à l'aide, aidez-moi à fuir. Oh, si Ah t'as flamé, je vais te cramer le derrière. ah Ah là là. Je suis fier de mon salamèche. Alors surtout, les gens, c'est vous qui jouez au jeu, sinon, n'hésitez pas, sinon nous demander des demandes d'amis et tout ça, on acceptera, je pense. Ça te Bon. dérange pas? Si. T'es vraiment un enfoiré, tu sais. Alors, moi, je suis désolé, mais je joue en solitaire, les amis, hein. Il est hors de question que je sois poursuivi par des fans en délire. Non, je déconne. Non, mais évidemment, vous pourrez me rajouter en ami, hein. Oui, voilà. Enfin, par contre... Nous faire des échanges si vous voulez avec nous, bon, ça peut toujours être sympa. Voilà, c'est ce jeu est fait pour ça, vous me direz. Oui, le team défile à des Pokémon level 40, ok? Ah. Bah normalement, je crois que t'as une petite liste disant le nombre max de Pokémon que celui qui défie a et son max son le niveau de son Oui, Pokémon le plus fort et le plus faible était 42, le plus fort 43. Bon, comment Aïe, dire? t'allais te faire éclater là quand même. Voilà. Légèrement. En effet. Il utilise Bon, une moi queue. je vais XP mon carapuce niveau 10. Et puis après, je pense pas que je vais essayer de me faire le rival tout de suite. Je vais XP en off un petit peu. Et puis après, j'irai faire le rival. Je pense Est-ce que t'as qu'on va se laisser devant la forêt de Jade, n'est-ce pas? Oui, ça c'est sûr. En plus, les dresseurs. Attends, c'est que sur gemme peut-être. Non, c'est que sur gemme, c'est que sur gemme. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à la version rouge-feu, les amis. Ouais, la Bizarre. bonne vieille version rouge-cheveux de la première génération, là. Que des souvenirs. Oh, j'adore Rattata qui one-shot. Un Rattata qui one-shot, oh putain. Avec charge. Ah Bon, donc tu je veux te faire sais que... un Rattata, apparemment. Ah non, vraiment pas. Je vais me faire laminer par un Rattata en fait. Ah d'accord. Ça c'est marrant que t'aurais attrapé un Rattata quand même. Pourquoi? C'est de la Ta vie merde. c'est qu'un Rattata. Mais ça, c'est rigolo, tiens d'ailleurs. Tu viens de me faire penser à un truc très très drôle. Quand j'y pense. Ah. À capturer un Rattata dans ma team, mais juste pour me suivre en fait. Ah là, ce troll. Bon, moi, À peu mon près la même carapuce est niveau idée qu'à 10. ce chat. Bon, écoute, je vais vers la forêt de Jade. Mais moi je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour Ouais, te la. mais je t'attends, je t'attends. Bon, il me va. Non, là, attends, j'ai à peine de le capturer mon Pokémon. Ah, Comment je parce que fais tu dire l'as ça? pas encore attrapé. Si, non, mais si, je l'ai attrapé depuis Si. longtemps, le problème, c'est qu'il se chatte depuis tout à l'heure. Donc bon, Ah, voilà quoi. d'accord, oui. C'est pas facile. Faut que t'arrives à l'XP. Bah, attends, moi écoute, je vais aller parler au PP pour qu'il me donne comment ça s'appelle ça? Je La sais clé pas. télé qu'on pouvait avoir là dans Rouge Feu et Vert Feuille. Mais je crois que c'est ça normalement. Ah non, apparemment il me la donne pas. Bizarre. Eh, en fait, je suis con, faut peut-être que j'aille chercher le colis moi. Attends, tu as Bon. toujours pas fait?
Non, toujours pas fait. Oh là là. Je voulais tellement XP mon carapuce, tu vois, j'ai pas pensé à le faire. Tu vois, par exemple, bah, voilà, pendant que tu XP ton Pokémon, bah, je prends le colis, voilà, ça y est, je l'ai. Et go pour Palette. Désolé les gens, pas avoir pensé. Alors aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de vous pourriez nous demander des demandes d'échange de combat, tout ça. Quand on fera un clan, parce que moi pour j'ai pour objectif de faire un clan quand même. Vous pourrez venir dedans pour vous inviter. Alors, je Le vous le dis, hein, premier. si fait un clan, je laisse payer, hein, alors d'action, je peux dedans. Oh Non, mais mais. t'inquiète pas. Sinon c'est moi le plus Ah, fort. au pire, je peux ruiner mes autres personnages, puisque dans tous les cas, bah, je ne jouerai pas. Exact. Sauf que pour l'instant, l'échange d'argent n'a pas encore été ajouté. C'est qui est vraiment dommage. Ah, si, il était ajouté. Hein. Je sais que Ah vous ouais. pouvez faire à l'époque. Ah bon. Ah, oui, si. Parce que moi ça marchait pas dans l'autre mise à jour. Ah, peut-être que là ils ont corrigé ça. Mais je sais qu'à un moment, j'arrivais à faire des échanges. Bon, ça, Oui, d'un moyen. mais c'est genre de Pokémon. Oui, mais l'échange d'argent, non. Non, l'échange d'argent. Ah, l'échange d'argent. Ah d'accord. Oh, tu montreras ça. Enfin, j'avais pas échangé d'argent, j'avais juste filé l'argent, mais ça avait fonctionné. Non, mais D'accord. regardez ça, les amis, il y a quand même un problème. Le Pokémon en face, il quasi one-shot mon Pokémon. Attendez, oh. Mais on est même level en plus. Je parie que ton Pokémon c'est un colo... pardon, pas un colossinge, un férosinge. Je parie. Oui, évidemment, je me baladais avec un colossal, le Ouais. sais plus combien, le 4, évidemment. Ouais, je crois niveau... Entre niveau 20 et 25. Exact. Si je me souviens bien. Donc voilà, Ça j'ai y mes est, 5 il est Pokéball. up level 5, mon Pokémon. Hop, 2 potions. D'accord, bon, écoute, je suis bon. Pour aller dans la forêt de Jade. Ah, t'as Mais je déjà vais t'attendre livré le colis? d'abord. T'as déjà livré le colis? Ouais, j'ai déjà livré le colis. Putain. Ah, t'as vu, je suis speed, je suis Go-Go Fleur Néon. Je lis le chat depuis tout à l'heure, ça me fait rigoler. Il y en a un qui demande si le clonage T'es implanté. est implanté. Ouais, mais c'est. What the Non, non, ça m'étonnerait quand même. Le clonage qui était dans Pokémon roux. Non, pardon, pas. Version argent, or et cristal. Coucou. Coucou. Suis passé. Ouais, j'ai Pour qui vu. pour un carapace sauvage, Or, il attention. y a aussi un mode spectateur qui était ajouté pour cette mise à jour. De toute façon, je vais voir un combat, tiens. Allez, automne, tiens. Alors, pardon, alors celle-là, je peux pas faire. Mode spectateur, attends, voilà, spectate. Je regarde. Ah, d'accord, parce qu'elle a été en mode spectateur. Alors, je regarde le combat complètement épique. Quel level? Alors, attends. Donc, c'est une fille qui se bat contre. Un gars. Oh putain. Alors, la fille, elle a un Ossature niveau 50 contre un Nidoking niveau 56. Nidoking utilise Loli. séisme. Il tue l'ossature. Ouh. Comme c'est beau. En plus, ce mec, il a juste un Pokémon. Il n'est même pas le 6ème. Je parie que ce Vas-y, combat va dis-moi, être qu'est-ce qui complètement se passe? épique, les amis. En attendant que Manta se pointe. Ouais, bah attends, mais commente un petit peu, attends que ce soit pas tout de suite, vas-y, mais raconte un petit peu ce qui se passe. Ah bah c'est déjà fini, écoute. Ah bon, les petits Ouais. Pokémon chacun? Ah ouais, je suis arrivé en dernier. Attends, je regarde notre combat. Alors, donc ce combat oppose Fairy Woods et j'avais pas eu le temps de voir son nom. Ah oui. Alors Dracaufeu niveau 43 contre Colossinge niveau 42. Colossinge échangé par Oh Dracolosse niveau 55. putain! Dracolosse utilise Cruel, mais il a loupé son attaque. Dracaufeu utilise Vol. Dracaufeu est échangé par Loclasse. En plein milieu du duel. Ah ouais? Non, non, en fait, il avait déjà fait, en fait. Ah, d'accord. Parce que j'ai compris. Ah, Oh. apparemment, il n'y a que des Magikarp Shiny, si je dis bien. Que des Magikarp Shiny? Non, ça m'étonnerait. Bah, on dit ce qui se passe dans le chat. Apparemment, il y a deux personnes qui sont Ouh, tombées j'ai à la suite sur des Magikarp l'impression Shiny. que. Le dresseur adverse, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a Dracolosse défonce le Dracaufeu de Pokémon H, voilà, il s'appelait comme ça. Fairy Woods a gagné le combat, mais écoute, bravo à lui. Un très bon dresseur ici. Oh putain, je vois beaucoup de gens qui ont des Ossatures, des Ronflets, des Cisaillox. Ouh là là. Cisaillox. Ouais, Cisaillox. Misère. Ouais. Ça va quand même. Exact.
Alors, est-ce que tu as déjà une petite idée pour le nom du clan? Le nom du clan, bah écoute, non, je ne sais pas encore. On verra ça plus tard. On trouvera bien une idée. Ouais, sans doute. Ah, Moi, je putain, mais t'attends, je sais pas ce que je il en cherche. faut du temps pour tomber sur un Pokémon sauvage, hein. Allez, je pense qu'on va bientôt se laisser de toute façon. Juste en deux. Exact. Alors, juste le temps de faire Alors, level il y up a mon vraiment Pokémon. plein de combats devant son Pokémon de Jadiel. Je regarde tout ça. Alors là, ça oppose. Je n'ai pas encore eu le temps de voir. Oh non. Alors. Oh, putain, mais pourquoi les Pokémon sauvages ne Ouh, il y a font une fille qui que a un des... chenipan shiny. Et donc? Oh, c'est quand même rare, hein, tu me diras. Alors, C'est rare, mais on va l'utiliser quoi. Ectoplasma, niveau 50 contre Psyzaiox, niveau 57. Ouh. Ectoplasma échangé par Persian. C'est bon, ça la mèche qui est porte, Psyzaiox j'aimerais utilise être dans tranche. Minecraft. Ouh, bon, ça va. Il fait pas trop de dégâts. Ouh, Persian est quand même niveau 89. Ouh, ça Ouf. risque de se faire défoncer quand même. Donc, quand on a vu la ligne implantée, c'est officiel. Alors, Persian utilise morsure. Ouh, là, bon, ça va pas faire trop de dégâts à Psyzaiox. Ça me porte Allez, à où est-ce 15 que la barre t'es? de vie. Où est-ce que Oula, t'es? on J'ai envie de faire s'attend la mini tellement avec mal les toi. amis que je vais vous commenter de suite. Où est-ce que t'es? Ah, t'es là. C'est. Ouh, encore téléphone. Désolé les amis. À tout de suite. Re tout le monde. Excusez-nous pour la petite coupure, problème de téléphone, les aléas du direct comme on dit. Donc j'ai pas pu vous commenter ce magnifique match. Alors là, Persian en train de se faire défoncer. Mais il s'est fait défoncer par Psyzaiox. Oh mon dieu, bien joué Psyzaiox. C'est une blague. Ouais, exact. Psyzaox l'a géré là. Alors là, ossature niveau 50. Alors, Psyzaox il se tranche contre Ossature. Ouh. Ossature c'est Homsmerang. Ouh. Il a tué Psyzaiox. Alors, Psyzaiox est remplacé par Tentacruel. Enfin, Psyzaiox est mort. Ou alors, Tentacruel, là, il va tuer Ossature. J'en ai bien peur. On voit même que Ossature arrive à placer une bonne petite attaque sol. Ah non, il est changé par Ammonistar. Ouf, mais ils ont des espèces de Pokémon de Ah psychopathe. ouais, non, mais c'est de jeu là. Ouh, ça rigole pas là. Combat complètement épique, tu verrais. Oula, Ammonistar échangé par Roigada. C'est pas Tentacruel va possible. surf. Roigada récupérer un peu de PV Crest. Tentacruel toxique, mais il a loupé son attaque. Roigada psycho. Ouh, ça doit faire mal. Tentacruel a perdu à même pas le quart de sa vie. Donc il est puissant quand même. Bien résistant. Tentacruel utilise toxique. Roigada est empoisonné. Roigada utilise psycho. Oh Tentacruel est là. presque mort. Oh, je parie que c'est Roigada qui va gagner, vu qu'il a un grand avantage. Il a surtout beaucoup de points de vie. Ouais, Roigada, en effet. Tentacruel est échangé par Nidoking. Aïe, quoique psycho, c'est réglé. Roigada utilise déflagration. Ah. Roigada récupère un peu de PV Crest. Ah, Nidoking aussi a un reste. Putain. Alors attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hidoking utilise Mégacorne, mais il a loupé son attaque. Roigada Psycho. Hidoking n'a plus que la moitié de ses PV. Enfin maintenant plus qu'un quart. Hidoking récupère un peu de PV qui reste. Hidoking utilise Mégacorne. Ouh, super efficace. Roigada est Ah, et bah mort. oui, normal. Ouais, tu m'étonnes. Bah, je rappelle que Megacorn a une attaque insecte et que bah, regarde les Ouais, psy, donc a une grosse exact. Ou blesse. à la Kazam. Ou par contre, si Hidoking a placé une bonne attaque Mégacorne bien placée, je pense qu'à la Kazam va prendre cher. Mais à la À la Kazam Kazam, fait trop rapide. Psycho et tue C'est fini. Hidoking. Ouais, c'est fini de toute façon. À la Kazam est infiniment trop rapide. Ouais, exact. On peut rien Parasect faire. Hein. est envoyé niveau 56 contre à la Kazam niveau 46. À la Kazam Psycho. Parasect a au moins environ la moitié de ses PV. À la Kazam est endormi. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un combat complètement épique. Qui va gagner? Ouh, putain. Parasect utilise Giga Sensu. Alors? Oula, Alakazam n'a plus qu'à un quart de sa vie. Alakazam est mort. Très bien joué de la part de Parasect. Ectoplasma est envoyé. Oh, ils ont des Pokémon complètement pétés, les gens. Ectoplasme Psycho, ah bah, je crois que c'est un infini pour Parasect. Ah, Spore, ah, peut-être pas, peut-être pas. Ectoplasma est endormi.
Paracel est échangé contre Scarabrut. Ectoplasme Nord toujours. Oula, Scarabrut utilise Dance Slam, il monte son attaque. Oh putain, je m'attends au pire. Ectoplasma se réveille, Ectoplasma du Psycho. Ça lui enlève la moitié de ses PV. Oh, très bien joué par Scarabrut qui utilise éboulement pour tuer Ectoplasma. Passe le one shot. Ossature apparaît avec plus qu'un quart de sa vie. Et Scarabrut le finit avec Casse-Brique. Ammonistar est envoyé avec la moitié de sa vie. C'est un combat épique là. Ah oui, clair, non, mais là tu devrais voir ça. Ammonistar ouais. Est mort parce que Scarab faisait séisme. Et Conseil Arion a défait Bimbo. Écoute, bien joué à toi. Conseil Arion. Ouais. Aron, pardon. C'est le même nom d'ailleurs que dans un mec du Conseil des 4 dans Diamant, Perle et Platine. Où il y a énormément de noms près du centre de Jadiel. Je vois des Levenard, des Nosferapti, des Dracolos, un Dracolos, un Leviator. Oh putain, tu verrais ça. Oh, Aliputi. Non, Aliputi. Noctali is bad. Noctali is the bad. Noctali, en fait, c'est le pouvoir sombre de la force. Ouais. Et Montali, c'est le Jedi. Exactement. Alors, est-ce que t'en as fini, du coup? Presque. Je fais un combat. Ah, faut pas que tu te. T'en mets trop longtemps quand même. Hein. Bah, c'est le dernier combat là, vraiment. Dernier combat, d'accord. Bah, écoute, moi je t'attends juste sur la route pour aller à la forêt de Jade. Ah, à mon avis, tu peux m'attendre sur Pokémon, c'est là que tu vas vite me retrouver. D'accord. Je sens que je vais me faire laminer la gueule. En fait, ah non, en fait, le PP ne nous donne pas la petite télé en fait. Non, ça n'a pas été ajouté dans le jeu. En fait, on va même pas lui parler d'ailleurs. On lui parle, il se retourne juste, il nous dit aucun dialogue. Ok. C'est assez flippant. En fait, il nous observe. Mm-hmm. Il nous analyse. Écoute, par contre, je suis prêt. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle des adversaires est vachement limitée. Hein. Mm. Exact. Oh non, pas un coup critique, non, pourquoi? Ah, tu t'es fait avoir? Non, il me reste encore ça la mèche. Mais j'aime pas les coups critiques, je déteste ça. Ah, je comprends bien. Bon, moi, écoute, je vais XP encore plus mon carapuce, moi, en attendant. Ouais, de toute façon, je vais me faire laminer la tronche. Le Pokémon adverse en une seule charge, il m'enlève 10 points de vie, quoi, et encore il ira. Oh là là, il fait mieux que quoi, oh là là là. Il crève, en enfer. Oh, je l'ai eu. Bon, ça c'est bien. Allez, j'arrive. Je vais passer par le centre. Attends, j'ai juste un petit ferro-singe et j'arrive. Bah, retrouve-moi devant l'entrée de la forêt de Jade. Tout ce que j'ai à te dire. Pars sans moi. Voilà, ça y est, j'ai enfin battu le rival. Ah, t'as battu le rival, même pas. Ouais. Je l'ai même pas fait, moi. Encore. Bah, je m'en doute. Mais toi, deuxième Pokémon que je choisirai dans ce deuxième épisode, en off. Je verrai moi, c'est déjà... mon équipe. Oh non, un Pokémon sauvage. Pitié qu'il ne m'achève pas. Ah bah, je te vois, t'es là, d'accord. Attends, je fais encore un petit dernier Pokémon. Allez, one shot. Un petit Ratata niveau 3. Moi, c'était un Piaf à bac niveau 3, elle était trop mignon. Puis il s'est pris à sa mèche dans le genou. Référence à Skyrim. Ah là là. Toute petite référence, hein. Personne n'avait reconnu. Ratata level 5. Putain, mais vous allez me laisser me barrer tes foutues hautes herbes? Allez, c'est bon, j'ai enfin tué Ratata level 5. Eh, mais ils sont chiants, hein. Ah, ça, c'est comme dans les Nosferapti dans les grottes. Tu fais un pas, ils t'agressent. Ah, mais moi, je veux un Nosferapti. Ouais, pour nos temps faire après. Intéressant, en plus, c'est un très bon Pokémon, hein, c'est vrai. Ah, c'est un excellent Pokémon, hein. Ah, clair. En principe, il gère très très facilement les Pokémon plantes et insectes, mais vraiment très très facilement. Ah, c'est sûr, ouais.
Et en principe, il gère à peu près tout En en vrai, fait. pour un Pokémon 20, moi j'hésite quand même. Là, j'ai vraiment pas mal de choix. Mais j'hésite de prendre un Pokémon, une nouvelle team dont j'ai jamais essayé. Juste pour voir ce que ça fait. Ou je vois un gars qui a un Steelix. Alors lui. Oh, il y a Raichu. Ouais. Avec Allez, Attaque on se Pikachu. sur la Allez hop, route. on y va. Eh, hey, t'es plus rapide que moi, va te faire voir. Les garçons sont plus rapides que les filles. Oh. Allez, 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 allez. Allez, let's go. Veux En que tout des cas, filles les amis, soient ça. en tout Stop, cas, on défi. espère que l'aventure n'empêche vous plaira. Arrête-toi, Enfin, on mais on fait où notre espère. défi, espèce de Attends, balade? hé, à l'entrée de la forêt de Jade, c'est ici, voilà. Attends, bouge pas. Oui, non, c'est bon. Attends, vas-y. Hé, attends, juste pour le style, vas-y, mets-toi là. Et moi, je me mets là. Ça va être trop stylé. Non, comme ça alors. Mais avec. Attends, Hop. il faut que ça lâche, je regarde en direction. Voilà, go. Bon, allez, hop. Vas-y. 3, 2, néon. Duel! C'est l'heure Ok, du duel! accepte. Allez, premier duel, les amis. Qui, entre moi, Floneon et Manta, va gagner? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez! Asbegun! Salamèche niveau 10, d'accord. Ok, allez, hop. Alors, Déjà, j'ai un voyons. avantage contre toi. C'est sûr, non mais de toute façon, c'est sûr que tu peux battre. Ma team est largement pas assez. Enfin, elle est pas prête. Vraiment pas. Ah bah qui sait peut-être hein, si je joue mes attaques. Non, tu vas me battre, dans tous les cas. J'ai trop galéré face au rival, tu vas m'avoir, mais d'une facilité déconcertante. Quoique, si j'arrive à te caler une troisième griffe, c'est peut-être pas dit. Exact. Moi qui mets PV. Non, c'est mort, c'est Ça mort, c'est peut être mort. limite là. Non, 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 c'est mort. L'autre Pokémon, et tu vas le voir, tu vas rigoler, quoi. D'accord. Alors quel est l'autre Pokémon de Montaliste? Ah Ferrossing, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Non, mais il a J'aurais dû aucune le. chance, le pauvre. Il est là, mais c'est juste une vaste. Ah, quoi. Attends, je savais pas qui était plus rapide que toi. Oh, ok, voilà les dégâts, quoi. Faudrait que t'affliges moins de la moitié. Moins de la moitié du point de vie. Oh putain, ah, je vais te battre! Si tu fais un coup critique, je jure que je rush quitte. Ah non, c'est bon. Tant mieux. Non, Je mais attends, mais rush je vais. quitte quoi, non mais. Alors qu'est-ce que je fais? Non, Sûr t'allais faire ça. Ah là là. oh Je non. pense en vrai sérieux. Tu crois que j'allais me faire tuer comme ça? Attends, J'ai tu me passé suis mon encore moins dernier de mot. Écume. dégâts. Oh non, Je vais abusé. pas lancer Moi, nébule. je m'en fous, mon Ferrossing, j'aurai bien tenu face à ton carapuce. Moi, je dis, rien que ça Exact. mérite le respect. Trois levels de différence, à level égal, à mon avis, mon Ferrossing te causera de gros soucis. Ou peut-être mon futur Pikachu que je vais capturer, donc évidemment, hors vidéo, hein, étant donné que. Il a combien de chances Ah, de moi je pop, le capture tous mes Pikachu? Pokémon en vidéo. Ah voilà, je t'ai battu. Ah quand même Joli. Ouais, pas très beaucoup. peu de vie hein. Ouais. Le truc, c'est Bah que. écoute, moi je vais aller sur le Pokémon pour sauver mon carapuce du coup. Tu m'as perdu Ouais. Fibli. Mais juste, je tiens à dire, par rapport à Pikachu, c'est qu'il a un taux d'apparition en fait tellement bas que je préfère le faire hors vidéo parce que Bon et encore ça, j'ai déjà vu pire. Ah bon? Ouais, je sais plus pour quel Pokémon, mais bah, par exemple Tarsal, version. Oh, il était facile à capturer, franchement, tu Oh en 5. non, arrête les taux pour le rencontrer, mais c'était horrible quoi. Et une fois, je vais passer 3 heures à le. Pour en trouver juste un quoi. Oh là là. Allez, les Bon, amis, j'espère allez, que ça ouais. vous a plu. Tu fais Et l'outro déjà, ou j'ai. première victoire pour moi, ouais! Première Parce que je victoire pour pense qu'à toi, mon GG en dernier. fait. Excuse-moi, j'ai oublié de te le dire, mais GG, franchement, t'as fait. Ouais, merci à Ouais. toi aussi, tu t'es bien débrouillé. Donc, les amis, merci de regarder ce premier épisode de Pokémémo. On espère que vous mettrez un max de pouces verts, de commentaires, que vous partagerez la vidéo et vous traînez en favoris, etc. De nos deux points de vue. On espère que la série vous plaira et Manta, je te laisse le mot de la fin. Prout! Voilà, allez, salut tout le monde!